À Calais, certains habitants ont décidé d'aider ces clandestins à survivre. Dans cet entrepôt du centre-ville, tout le monde s'affaire en cuisine. Ben moi, je suis tombée sur une poule bien cuite. Autour de la table, une dizaine de bénévoles d'une association préparent 800 repas chauds. Chaque jour, ils les distribuent aux migrants autour de Calais. Alors, c'est des grandes quantités, on n'a pas l'habitude de faire des grandes quantités comme ça à la maison. Michel, on va aller chercher les pommes de terre de Rosemary. Bénévole depuis 10 ans, Claudine a des journées à rallonge. Oh, bon, Fanny, c'est bon. Allez, en route. Grâce aux dons des habitants du Pas-de-Calais, Claudine récolte toutes sortes de denrées. Chaque jour, elle et ses compagnons cuisinent 50 kg de pâtes ou de riz, 20 kg de légumes et 20 kg de viande. De quoi offrir à chaque migrant un repas chaud. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main, Alain ? Ça va ? Pour laver ? Rincer peut-être. Rincer, ok. On va rincer. Claudine consacre toute son énergie à ce combat, qu'elle juge indispensable. Ça me révolte de voir ce qui se passe à Calais, comme dans le nord de l'Italie. Et voilà, bon, ils ont faim. Au départ, c'est le but de Salam, c'est leur faire un repas chaud tous les soirs. C'est quand même pour un mieux-être. Je ne vais pas dire le bien-être des migrants, non. Pour un mieux-être. Les semaines de Claudine sont difficiles. Elle passe régulièrement par des hauts et des bas, mais elle y croit. Elle et sa petite équipe ne se contentent pas de récolter de la nourriture. Ils récupèrent aussi des vêtements et des chaussures qu'ils donnent aux migrants. Voilà, 45. Mais pour l'heure, une autre mission les attend. Claudine vient de récupérer auprès d'un organisme d'aide alimentaire ses boîtes en carton. Attends, il faut que quelqu'un les compte. Ah. 3 et 2, 5, 8. 12. 15. Elles contiennent du poisson fumé, prêt à manger, qu'ils vont devoir donner dans un squat. Claudine et Michel se dirigent vers la zone industrielle, dans la jungle. Un camp de migrants dans la forêt, où vivent 1500 personnes. Ces distributions de nourriture sont des moments de grande tension, car beaucoup de clandestins n'ont parfois pas mangé depuis 3 jours. Et les bénévoles redoutent un autre problème. Certains migrants s'octroient parfois plusieurs boîtes et les revendent aux plus faibles pour se faire de l'argent. Et on préfère les distribuer, comme ça un maximum de gens peuvent profiter des dons que nous avons. Et ce ne sont pas les chefs qui, à la rigueur, vont donner aux personnes qui préfèrent peut-être, ou vont peut-être faire un petit commerce aussi. Le camion arrive. Il est immédiatement repéré par les migrants qui accourent de partout. Bonjour. Ça va, oui, ça va. First the first. Yes, you take a line. It's fish. Good fish. Do it now. Oops, you go. Thank you, my friend. Les migrants sont affamés. Déjà servi une première fois comme cet homme, il tente de récupérer d'autres boîtes pour se nourrir ou les revendre. Attention, il en a déjà eu plusieurs, lui. Claudine essaye de contrôler la distribution comme elle peut. Mais les clandestins affluent de plus en plus nombreux pour obtenir des repas. Voilà, aïe aïe aïe. Claudine commence à paniquer. La distribution tourne mal. Les bénévoles n'arrivent plus à contrôler les migrants affamés. Ils décident de lever le camp. Look, this, what is this? Certains sont en train de faire des stocks de nourriture. Ils nous volent, ça va pas. Et la situation va devenir ingérable. Sur place, la tension commence à monter. On y va. On arrive. Pour éviter une émeute, Claudine et ses collègues décident de quitter les lieux au plus vite. Mais les migrants ne vont pas en rester là. Ils ne supportent pas de voir cette nourriture leur échapper. Vite. Allez, on avance. Oh, c'est dingue. Oh, c'est dingue. Et la porte est ouverte, mais c'est parfait. Il y a un mec dedans. Oh, descend là, allez. Allez, go out. Il va tout distribuer, laisse-le, il va tout distribuer. Le camion accélère, mais rien n'y fait. Le véhicule est totalement dévalisé. La scène peut choquer,
mais ils sont affamés. Ils ont peur de ne pas avoir. Ils sont aussi très affamés. Ah oui, 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 ça. Ça, ils ont faim. Ils ont faim. Claudine et Michel n'avaient encore jamais vu ça. Et ils ne vont pas être au bout de leur peine. Le lendemain, les bénévoles préparent un nouveau chargement. Cette fois-ci, des boîtes de raviolis qu'ils souhaitent distribuer dans un squat occupé par des Soudanais. Tu te mets derrière et tu tiens les boîtes. Claudine est à nouveau de la partie. Ces boîtes ont été données par un supermarché de la région. On nous a offert des raviolis halal, donc nous allons les distribuer dans un camp où nous savons qu'il y a des musulmans. Chacun sa religion, c'est pas mon problème. Elle est bientôt à droite, là. Et je pense que les raviolis halal seront très très bien accueillis. Distribuer de la nourriture tout en respectant la religion des migrants, c'est ce que tente de faire Claudine. Mais sur ce parking, les choses ne vont pas tout à fait se passer comme elle l'espère. Je ne sais pas comment on va être accueilli, c'est la première fois que je viens. Claudine se dirige vers le campement des clandestins. Bonjour. Pour les informer que de la nourriture les attend. La ravioli, pasta, for everybody. You, it's not for one people. Yeah, for all. Yes, for all. Have you fire? Fire to... No wood here. You need to know. We need gas. Oui, yes, yes. It's difficult. It's too expensive for us. L'association n'a pas les moyens de leur fournir des réchauds pour cuire leurs raviolis. Ces sans-papiers vont donc les manger froids. Mais ils vont tiquer sur un problème. Bébé, it means that. Best before, you know that. La mention best before sur une boîte de conserve indique la date limite d'utilisation optimale. En clair, le produit est meilleur jusqu'à cette date, mais il est encore comestible 3 ans après celle-ci. Ces boîtes indiquent une date limite d'utilisation au 30 juin 2014. Or, nous sommes 3 mois plus tard. Les migrants sont persuadés que la nourriture est périmée. Ils ont peur de s'intoxiquer. Claudine va essayer de leur prouver le contraire. Yes, my friend, come. Come. Claudine joue les cobayes en mangeant ses raviolis froids devant eux. Like this? Yes. With a spoon? Like this. Yes, it's good. Ils doutent que ce soit comestible. On leur a déjà expliqué les dates limites de consommation et les dates limites d'utilisation. Ils ne comprennent pas toujours, ils font très attention. En manger ou pas, les clandestins se concertent. Ils pensent que l'association leur donne de la mauvaise nourriture. Et un vent de rébellion va souffler sur le camp. Quand le pire arrive. Oh, ça me choque, hein. Ça me choque. C'est valable 3 ans, ça. C'est honteux. Honteux. Allez, allez. J'en mange les Français. Oh non, non, j'aime pas. J'ai horreur de cette image. Non, non, j'ai horreur de l'image qu'ils donnent là, c'est pas possible. Non, ça me plaît pas du tout, ça. Claudine ne supporte pas qu'on gâche la nourriture. Mais ce jour-là, seuls quelques clandestins ramèneront les boîtes dans le camion. La majorité des migrants accueillera ce don de l'association avec beaucoup de gratitude. Le 30 juin 2014, ils n'auraient eu cette boîte en main, ils ne l'auraient pas mangée. Parce que pour eux, c'était la date limite où ils pouvaient manger. Mais ça, c'est encore pour moi une dérive de la société de consommation. Et ça me choque qu'on jette une boîte de ravioli par terre. Donc, je suis choquée qu'il n'ait pas mangé, mais je comprends. Malgré les difficultés de communication et la barrière de la langue, Claudine ne baisse pas les bras. Grâce à elle et à ses compagnons, des milliers de clandestins sont nourris chaque jour et réussissent à survivre. Yeah, good book says, you know, don't throw
stones and glass houses,